Bonjour. Depuis que la Terre s'est formée, il y a 4,55 milliards d'années, le climat de la Terre a changé. On a eu des périodes beaucoup plus chaudes qu'aujourd'hui, des périodes beaucoup plus froides qu'aujourd'hui. Comment les scientifiques ont pu reconstituer ces variations climatiques passées? Pour reconstituer les variations climatiques du passé, les géologues et les climatologues utilisent différents types d'indices. D'une part, on distingue les indices d'un climat local, d'autre part, les indices du climat global. Le climat global, c'est le climat moyen à l'échelle de la Terre entière. Le climat local, c'est le climat identifié pour une région donnée à un moment donné de l'histoire de la Terre. Tout d'abord, par rapport aux différents types d'indices d'un climat local, nous avons parlé en cours des indices palynologiques, c'est-à-dire les grains de pollen que l'on retrouve dans la tourbe. Alors, ces indices palynologiques concernent plutôt les périodes récentes, puisqu'on n'a pas de pollen beaucoup plus ancien que 500 000 ans, voire un peu plus, mais on n'arrive pas à remonter dans des périodes géologiques très anciennes. Cependant, pour les périodes récentes, la palynologie, c'est-à-dire l'étude des grains de pollen contenus dans la tourbe, est un bon indicateur du climat local. En effet, selon les grains de pollen qu'on va retrouver aux différentes époques, on va pas retrouver les mêmes proportions de différents types de familles de plantes. Si à un moment donné de l'histoire du climat local de cette région-là, on trouve une majorité de pollen typique de végétaux de toundra, on pourra identifier le climat local à cet endroit comme un climat plutôt froid. En revanche, si on trouve une grande majorité de pollen de plantes de climat tempéré, alors on estime que le climat local à cet endroit est un climat plutôt doux, plutôt chaud. Voilà comment les grains de pollen, c'est-à-dire la palynologie, peut nous aider à reconstituer un climat local. Sachant qu'un climat local, on peut étendre la conclusion à l'échelle globale, à condition qu'on retrouve les mêmes indicateurs à la même époque à plusieurs endroits de la Terre. Parmi les autres indices de climat locaux, on a les roches sédimentaires. Pour les roches sédimentaires, c'est principalement les indices glaciaires. En effet, certaines roches, comme les tillites, ou certaines formations géologiques, comme les stries glaciaires, nous montrent qu'à une certaine époque, à un certain endroit, on pouvait avoir des glaciers. Si ces glaciers aujourd'hui sont beaucoup plus éloignés, et qu'à l'époque, ils arrivaient jusqu'au point où on retrouve ces traces, comme les tillites ou les stries, c'est que les glaciers à l'époque étaient plus étendus qu'aujourd'hui. Et le fait que des glaciers soient plus étendus, cela peut être interprété comme un climat local plutôt froid. On a souvent des convergences d'indices, c'est-à-dire plusieurs indices qui nous indiquent la même chose pour la même époque au même endroit, ce qui renforce les conclusions des climatologues. Parmi les autres indices, on a également les indices préhistoriques. La préhistoire, ça concerne l'histoire de l'homme, donc encore une fois, on s'intéresse ici à des périodes géologiques très récentes. Les indices préhistoriques, c'est par exemple les peintures rupestres. En effet, si les hommes préhistoriques dans les grottes ont peint à une certaine époque des animaux typiques de paysages de toundra, là encore, on pourra interpréter le climat local à cet endroit comme un climat plutôt froid. Enfin, on a également les indices paléontologiques. Ces indices-là, ils nous permettent de remonter bien plus loin dans le temps, puisque la vie existe depuis très longtemps. Ces indices paléontologiques, ce sont les fossiles des différents animaux ou végétaux qu'on peut retrouver dans des couches géologiques très anciennes. Si pour une certaine époque, par exemple, on retrouve une très grande quantité de fossiles de crocodiles ou de tortues, comme on sait aujourd'hui que ces animaux vivent dans des climats plutôt tropicaux, en utilisant le principe d'actualisme qui nous dit que les causes actuelles sont les mêmes que les causes passées. Si on trouve des fossiles de tortues ou de crocodiles à une certaine époque, on pourra faire l'hypothèse qu'à cette époque, à cet endroit, donc on est bien ici encore une fois dans du climat local, le climat était plutôt tropical. Si ces fossiles d'animaux tropicaux se retrouvent à des hautes latitudes, là où aujourd'hui on ne trouve absolument pas ni de crocodiliens, ni de tortues, cela signifie qu'à l'époque, on avait un climat tropical dans les hautes latitudes et donc que le climat de la Terre était plutôt chaud. Enfin, il y a également les indices isotopiques. Ici, c'est principalement les isotopes de l'oxygène, l'oxygène 18, et la mesure et le calcul d'un paramètre qui s'appelle le delta O18. Le delta O18 mesuré dans les carottes de glace permet également de reconstituer un climat local. En effet, lorsque la valeur du delta O18 est élevée, cela peut être interprété par les géologues, par les scientifiques, comme une période de climat chaud. En revanche, lorsque le delta O18 des glaces est faible, cela peut être interprété comme une période de climat froid. Enfin, on a les indices du climat global. Là encore, on va retrouver des indices isotopiques, mais cette fois-ci, ce n'est pas le delta O18 des glaces,
mais le delta O18 des carbonates, c'est-à-dire des roches calcaires qui se sont formées par l'accumulation de coquilles, de tests de foraminifères qui sont des organismes du plancton composés d'une coquille calcaire. Cette coquille, de formule chimique CaCO3, contient de l'oxygène, CO3, et cet oxygène peut être sous forme d'un isotope, l'isotope principal oxygène 16, mais également l'isotope oxygène 18, et l'isotope oxygène 18 est un indicateur du climat. Le delta O18 des carbonates, lui, va nous donner plutôt un indice de climat global. Attention, c'est l'inverse pour l'interprétation par rapport au delta O18 des glaces, puisqu'ici, lorsque le delta O18 des carbonates est élevé, cela va s'interpréter comme un climat plutôt froid. Lorsque delta O18 des carbonates est faible, cela s'interprétera comme un climat plutôt chaud. Enfin, pour finir, dans les indices de climat global, on peut également trouver des indices de l'ancien niveau de la mer, de l'ancien niveau des océans. Et si on a des preuves, des indices que le niveau des océans était plus élevé qu'aujourd'hui, cela s'interprétera comme un climat plus chaud qu'aujourd'hui, puisqu'on sait que la température globale a une influence sur le niveau des mers. Et à l'inverse, si on a des traces d'à une époque que le niveau de la mer était plus faible qu'aujourd'hui, cela pourrait être interprété comme un climat plus froid qu'aujourd'hui, puisque la température a une influence sur le niveau des océans. Enfin, les géologues et les climatologues ne se contentent pas d'un indice pour conclure sur le climat qu'il faisait à une certaine période, c'est la convergence des interprétations, si tous les indices vont dans le même sens, qui augmente la certitude que l'on peut avoir de l'identification de tel ou tel climat dans le passé. Voilà comment les climatologues reconstituent les variations climatiques du passé. Merci.